Thank you.
Dis ça à toi, quelqu'un juste à côté, dis Jésus est le Seigneur. Il croit la puissance de Jésus-Christ. Amen. Il croit qu'il est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Avec ta bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous êtes à Peniel. Le Dieu qui veut dire la présence de Dieu, la force de l'éternel. Un lieu de miracles, de restauration, de délivrance. Amen. J'étais tellement édifié. J'ai regardé encore la vidéo aujourd'hui. Le monsieur de Gloire, dont sa soeur avait mangé le pied. Son témoignage m'a trop édifié. Elle a cherché, elle n'a pas eu de viande. Elle allait prendre pied de son frère. Pied de bœuf. Sauce, pépé soupe.
Et les gens disent, il s'est brûlé. Ça ne peut pas guérir. Elle a parlé. Pourquoi? Ça peut pas démon. Ça peut pas démon. Non. Voilà. La vidéo même est là. Et la vidéo qui est la blesse cicatrisée. Moi personnellement, ça m'a édifié. Amen. Il n'est pas là ce soir, c'est ça? Amen. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour tout ça. Amen. Et maintenant, on est dans la brigade anti-sorcier ici. Amen. Nous réglons tous les problèmes de sorcellerie. Amen. Nous, ça ne nous fait pas peur, au contraire. Amen. Nous réglons. Hey, tu es béni. Moi, ça va? C'est où? Il était sali? Non, mais c'est où? J'ai pas compris, il me répondit que t'as fait. Oui. Je n'ai pas compris. Oui. Ça va? C'est une sorcière délivrée. Ou elle n'est pas délivrée? Elle n'est pas délivrée. C'est une question qu'il a posée. C'est une sorcière délivrée. Il n'est pas pour délivrer de la sorcellerie. Pourquoi? Il est blessé, lui, la situation des sorciers encore. Oui, papa, il y a la mienne là-bas. Il est là-haut. Il est là-haut. Il est là-haut. Oh mon Dieu, Moïse, je t'envoie sur ta croix là-bas. Elle a accouché, elle dit, voici mon bébé. Elle dit, ah, dégage! Bébé, elle est dans le ventre, puis fait sorcellerie. Il a compris, il a l'air pour elle. C'est maintenant qu'il a prié pour lui. Bébé, tu as mangé ta maman. Ah, ici, on attend beaucoup de choses. Hein. Viens. Oui. Bébé, il est dans le ventre, il fait sorcellerie. Tu dis, voici, il a accouché. Il dit, dégage! Non. Et l'enfant est bien, moi, tu es qui? Il y a plusieurs personnes. Il parle de moi.
Moi, le délivreur, il me regarde. Et là, il va à Zola. Mon maman était la première victime. Viens. On dit que tu as fait un accident dans ces deux jours-là. Mais quand on a fait accident là, le camion nous a renversé deux fois. Moi, les deux frères étaient passés derrière moi. J'étais renversé dedans, tout le bagage était venu rester sur moi. Quand j'étais dedans, je ne pouvais plus respirer. J'étais dedans pendant 2 heures du temps. Et un peu de choses ont poussé qui est venu m'enlever dedans. Il a tiré ma bouche là, parce que ma bouche était partie à ce côté. Il a tiré mes bras, il a tiré ma bouche là, juste et puis j'ai eu. Ça s'est passé quand l'accident? C'était un dimanche, j'étais venu prier ici. C'était ça fait 3-4 semaines aujourd'hui. Ça fait 3 semaines. Donc, dans le camion, on n'a pas eu le mort, mais en tout cas, ça nous a surpris vraiment. Il y avait une programmation d'accident, c'est ça? Oui. C'est ce qu'on avait dit. Et nous avons accident de l'étranger et la compagnie. Vous êtes de vous, accident ailleurs. Vous avez mouru par accident. L'accident, oui, oui. L'État doit vivre dans quel moment? Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ce que je vais enseigner, c'est-à-dire quand vous venez ici, là, convertissez-vous, ça veut dire quoi? La présence de Dieu en toi. C'est vrai, ce qui en nous est plus fort. Satan, je connais, vous connaissez. C'est tout. C'est pour ça que la Bible dit que même quand un démon sort d'un corps, il vient. Esprit méchant que lui. S'il n'y a pas de présence de Jésus-Christ, convertissez-vous. Non, je viens, je ne vais pas donner le micro. Les gens viennent parler mon affaire. Donc quand vous venez ici, convertissez-vous. Donnez véritablement vos cœurs à Jésus. Parce qu'il dit quoi? Il dit, un frère de chômeur le tombe de nos têtes sans sa volonté. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas Dieu. Moi, il y a des choses qui ne doivent plus m'arriver. Si tu fais un rêve, tu dis, oh, je t'ai vu, c'est pas moi, tu as vu un rêve. Amen. Je ne suis pas en train de vous condamner. Mais je vous dis, convertissez-vous. Voilà, amen. Prenez ta soif. Ce n'est pas un débat. Tu prends un micro, tu vas vous la contredire. J'ai pas fini quoi, viens. Quand on dit programmation, c'est ce qu'il dit aux gens. Quand le sorcier dit, il a programmé les choses. Le sorcier, il repart, puis il revient à l'attaque. Il va, non, comme on a fini de prier, lui, tu vas aller chez le diable là-bas. Satan a son territoire et Dieu a son territoire. Le jour, il va te voir sur son territoire. C'est comme ça. Dieu a son territoire. Satan a son territoire. Le Dieu de Satan. Le Dieu de
c'est très 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 puissant. Bon, où c'est là il y a un canal pour essayer ça. Mais pour l'abonner, ou bien pour devenir. Parce que quand quelque chose arrive, on a posé la question, pourquoi ça arrive? Mais vous connaissez pas la naïve. Ça n'a pas arrivé. Il faut y mettre là. D'abord, vous êtes là. C'est ça. Il est arrivé. C'est une part de responsabilité. N'allez vous comme les mêmes. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est. Tu es délivré maintenant, toi. Mon Dieu, tu ne peux plus jouer. Hein? Oui, je suis délivré. Tu t'envoies plus. Une bride, hein? Une bride. Je m'envoie une bride. Ah, il pleut. Comment il s'appelle? Et toi, allez, les gars. Je viens pas encore de venir. À tous. Mon mari? Il n'a pas donné le nom. Je suis le roi de la voix. Et tout cas, mon Dieu, mon Dieu, elle dit, ça vous est donné le nom de la voix. Parce que le vrai père, c'est quoi? Il s'appelle Joël, c'est ça? Voilà, Joël, je vais là. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il n'y a pas de 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 Jésus. Il n'a pas fui l'enfant de la rue. Il est bien fou. Oh, bon, il est fou. Parce que la femme est depuis 20 diverses aussi. Il est fou. Encore plus vite. Nous allons plus. Tenez-vous debout. Nous allons. Le jour tu as mangé bien de l'homme. Il est fou. Il est fou. Il est fou. Nous allons le recommander au Seigneur. Amen. Amen. Il était déjà dans le levant de sa maman quand il pratiquait la sorcellerie. On peut la vie, mais on va aller le combat de la vie plus courant. Un chat, il mange. Ok, qui a rien, on va aller le combat. Prions le Seigneur. Merci, c'est la bonne. Nous voulons, Seigneur éternel Dieu, te présenter le plaisir. Viens, il faut le prendre. On va le prier. Priez, prions ensemble le Seigneur. Nous te présentons ce bébé, étendre ta main. Et manifeste-toi puissamment. Accorde la sagesse et l'intelligence à ce bébé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, permets que ce bébé soit totalement à toi et que je marche selon toi ta parole. Seigneur, merci. Que ce cœur soit totalement à toi. Au nom de Jésus-Christ, merci de bénir. Comme sa mère, aide-la dans l'éducation. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons cru. On dit Amen. 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 Voilà, Dieu vous bénisse. Ici, veuillez vous asseoir. Nous avons délivré beaucoup de sorciers. Beaucoup de sorciers dans la région. Et j'ai compris beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas venu ici, les gens allaient mourir en cascade dans la région. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Quels sont ceux qui sont venus d'Abidjan? D'accord, nous allons le cadeau de prier pour vous. Allez, vous asseoir. Ah, bonjour. Moi, ma voiture, là, je vous ai dit, c'est vrai, ça se garde à tout moment. Là, tu veux faire, elle est venue, elle est venue, elle est venue, elle est venue, souvent, il y a pas de courant, je viens pas, c'est parce qu'il n'y a pas de voiture. Il dit, vous savez, vous, tu veux venir, les gars. Ah oui, c'est comme ça, je suis. C'est là où. Maintenant, si vous voulez, donnez-moi une voiture, vous allez voir. Bon, à carrément, parce que je donne trop de ma vie. Mon temps. Les gens sont à Abidjan, on a décidé de venir au village. Quoi, je n'ai pas adapté à ma voiture. Ma voiture, elle peut pas. Je dois les laisser au garage. Et puis les gens m'ont envoyé cette voiture. Quoi, vous savez que chaque fois, ça se gâte. Donc je ne respecte pas, je n'ai pas respecté 16h. Il dit 16h, il n'y a pas la voiture. Il n'y a pas la voiture. Et
Amen. Voilà, on m'appelle, on me fait des messages. Arrêtez-moi ça. Hein. Voilà, je n'aime pas qu'on m'envoie des messages. Ah, non, un message. Je n'aime pas ça. Je ne dirai pas le nom de la personne, mais je n'aime pas. On ne me met pas une pression. Je suis prophète. Maintenant, si toi tu penses que tu as un temps, mon cabou, tu ne respectes pas mon temps, et tu peux aller tranquillement là-bas. Parce qu'il n'y a pas que vous seulement. Quand je quitte ici, j'ai un travail que je fais sur le net avec les gens. Aidez-moi à vous aider. Respectez mon temps. Et c'est ça le noir. Nous parce que nous sommes toujours à votre disposition. Quand vous avez besoin de nous, on doit forcément réagir. Non. Il faut qu'on se respecte. C'est bon. Parce qu'il y a trop de messages. Amen. Amen. Moi, je vous respecte beaucoup. Zali, mais respectez-moi. Azumel. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Sinon, ça se répète la prochaine fois. Je risque de t'appeler pour te dire deux mots. Amen. Que Dieu bénisse. Voilà, je vous aime dans le nom de Jésus. Ça va chez toi? Et lui, il vivait une situation très compliquée. Tu as reçu maintenant, tu as mené une bonne mine. Hein? Ça va. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant que tu as commencé à faire? Il dit d'abord. Dans le visage. Bien filmer le bien filmer bien son visage. Hein? On acclame le Seigneur. Un confrère qui m'a contacté. Lui, il a vu un peu ce que Jésus faisait au travers de moi. Sur le net. Et puis il m'a eu un appel. 23h. Heureusement. J'étais en train de faire des études. Il m'a eu sur le net. Comme ça, on a commencé à échanger. Il a acheté, sa sœur a demandé qu'il achète un terrain. Et puis il y a une révélation qui dit qu'il n'allait pas achever les travaux de la maison. Donc la sœur en question, elle a eu insuffisant rénal, c'est ça? Un rein de lui. Entre les deux reins, c'est mis une tumeur, c'est ça? On l'a amené en Italie. Très bien. Et c'est là-bas qu'elle est morte. On est venu bien. Lui, il vient sur le chantier, le monde, il répand les pieds sont enflés. Le monde, on dit, les blancs cherchent maladie zéro. Lui, on confie les travaux. Il tombe malade. Le monde, on est là. Voilà. Il était pratiquement mourant quand il venait ici. Jésus a délivré notre frère. Il a délivré notre frère. Amen. Amen. Et c'est ça le problème de l'Afrique. C'est un quoi, les gens veulent développer l'Afrique. Malheureusement, c'est une présence satanique. Parce que les gens peurent. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Amen. Il est venu de te délivrer. Dis amen. Voilà, je crois qu'on te libère aujourd'hui. C'est quartier. Demain, tu vas rentrer à Abidjan. C'est quartier. Nous aurons l'occasion d'arriver sur votre chantier. Tu n'auras rien. Dit que tout ce que nous lions, et tout ce que nous délions, sera délié. Jésus n'est pas un menteur. C'est pour ça que je crois en lui. Amen. Il vient de te donner la vie. On est au pouvoir. Il va reprendre les travaux. La bouche du Dieu sera fermée. Le bouquin de amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Vous venez d'où? Viens, ceux qui ont le chapeau là. C'est le chapeau. Vous venez d'où? C'est où ça? Bazo. C'est où ça? C'est venu par la porte. Il voulait, tu veux quoi? Peut-être regarder.
Tu as un problème, j'ai vu un dragon sur toi tout de suite. Laisse là. Sa vie, allez, quitte sa vie, quitte sa vie, pas, quitte sa vie, lâche-la, lâche ta vie, allez, quitte sa vie, quitte sa vie, va-t'en, va, allez, voilà, quitte sa vie, quitte sa vie, lâche-la, au nom de Jésus, va-t'en, va, et quitte sa vie, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Attends, quitte sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Voilà, lâche-la vite fait. Quitte sa vie maintenant même. Tu es le dragon. Ça n'existe pas dans vos langues. Je vous appelle ça. Va-t'en. Voilà, va-t'en. Va. Quitte son corps et maintenant. Quitte son corps. Va-t'en. Quitte son corps au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Quitte son corps. Au nom de Jésus. Tout chrétien appelé à chasser les démons. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Quand tu as Jésus-Christ, tu peux chasser un démon. Il dit dans Marc 7, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Vous avez pouvoir, autorité sur les démons. Tu dis pas Amen. Amen. Tu ne veux pas avoir peur des démons. Amen. Vous devez les mettre au pas. C'est des comédiens, mettez les démons au pas. Vous avez le pouvoir sur eux. Cette promesse de Jésus-Christ. Il a vaincu Satan, la croix, c'est fini. Luc 10, verset 19, je te donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir, mon nom. De marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Je suis allé à San Pedro, j'étais à San Pedro, j'allais en visite à quelqu'un, un responsable du port de San Pedro. J'ai appuyé sur la sonnerie. Et il y a la servante qui est venue. Elle venait m'ouvrir la porte. Doucement. Quand nos deux yeux se sont rencontrés, passe. Dans le gazon. Elle a commencé à brûler le gazon. Elle se dit avec une menace. Je parle les temps. En train de faire les choses bizarres, monsieur. Amen. Le monsieur, un jour, rentré dans la douche, s'est trompé de douche, s'est retrouvé chez la servante. Il s'est trompé de douche, des portes. On m'a bien saisi. Amen.
Il s'est trompé de porte. Il a dit qu'il s'est trompé de porte. Il s'est trompé de porte. Il s'est fini. C'est des membres, ça. Pourquoi il est banalisé, celui-là? C'est un dragon. Donc, elle est rentrée, quand elle s'est trompée de porte, quand elle a touché sa femme, rien. Sa femme le touche, rien. C'est-à-dire qu'elle n'est pas même pas ça. Quand il va de l'autre côté, ça marche. Ça marche là-même, ça marche. De l'autre côté, ça marche pas. C'est pas là, mais ça. Par là que ça va l'envoyer. C'est où la vérité? Par là, ça va l'envoyer. La femme est là, ne te dis pas d'elle. Par là, vous allez faire. Elle voit tout en colère. Quand le démon m'a vu, elle m'a vu, tout ça, commençait au tir, hein? À ses poliers qui dansent maintenant. Donc, le démon commence à se manifester. Quand les gens m'ont vu, ils ont fui. Le démon me menaçait. Pourquoi je voulais le chasser? Tu me connais, tu sais qui je suis. Dégage. Je ne discute pas avec toi. Dégage. Tu m'as vu, tu es tombé, non? Dégage. Tu appelles quoi? C'est là maintenant qu'on va sortir le secret. Amen. J'ai prié. La porte a parlé, la servante a parlé. Opération prophétique. Ils ont chassé la servante. La semaine qui a suivi, le gars est délivré. Le sourire est revenu dans la maison. Moi, c'est comme ça, la femme est dans la maison. Dans la maison, le crabe. Tous les poissons qui arrivent. Mais c'est vrai, c'est pas ta prédiction. C'est ta femme. Amen. C'est la vérité. Il est noir. Tu as une femme qui t'a dit. Voilà, bien réglé. Il n'y a plus de palabres. Si vous voyez que deux couples, il y a ça dedans. Monsieur est fâché. Madame ne veut pas donner. Dis quoi, non? Quand madame est fâchée, ben, monsieur est malade. Quand on a réglé ça, le sourire est revenu dans la famille. Ils sont délivrés. Un démon. Tu dois reconnaître ton autorité. Amen. Tu as pouvoir autorité sur les démons. Je suis quelque part démon, c'est que je suis le maître. C'est tout. Ça va bien. Je partais ce matin dans la voiture. Et puis j'ai vu. Ça dit sur ta tête. C'est bizarre. Hein? Ta tête. Et quand j'ai jeté le coup de sur ça, je me suis arrêté la voiture. Ne parlez plus mal de beaucoup de gens. Je suis sa tête, cette femme. Hier, dans le haut, et quand j'ai jeté le coup de le sourire est rempli en elle. Mais vous n'avez pas dans le haut, l'homme.
Ça va, tu es dans le jeûne là? Oui. Non, 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 c'est elle qui doit répondre. Ok. C'est comme ça, je suis. On dit quand le. La tête est là, le genou ne porte pas. Il ne porte plus le chapeau. Lâche-la. Oui, va-t'en. Va. Quitte sa vie. Va. Au nom de Jésus. Sors. C'est un ordre. Lâche-la. Ça ne négocie pas. Tu m'attends, démon ?